Bonjour à tous, c'est Pyrex. Aujourd'hui, on va continuer. Oh putain. Voilà, je fais des conneries, j'ai fait chier. Ça commence bien. Ça commence bien l'épisode. Donc, on se calme. Vous avez vu ma douce profondeur de gorge. Et aujourd'hui, on est parti pour un épisode de Pokémon Y. Ma team, elle a changé comme d'habitude. Elle est virulente, puissante, cheat. Donc on a du Getsuga qui refait son retour. Donc Bankai Getsuga Tenchoda. On a Choupi aussi qui est là. Kavinsky qui est toujours là, j'ai envie de le faire évoluer. Après je le laisse dans le PC un coup, mais c'est pas grave, j'ai envie de le faire évoluer. Chicha, donc mon Loclas qui est toujours ici parce que Surf, j'ai besoin de lui. C'est soit lui, soit Tortank en fait. Je serai un des deux, chaque fois je le prendrai un et l'autre je le laisserai. Amtaro a fait son retour parce que j'ai besoin de lui. Je pense, je sais pas, j'ai envie de lui. Et Luca, mon Lucario, que j'ai envie de laisser pour l'instant, même si c'est au niveau 36. Et je suis au niveau 37, ces deux vont être mis au PC, je pense, après cet épisode. Voilà. Donc, on est reparti avec cette équipe de fous. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Pour mon cas, je pète la forme, on est le week-end, donc... J'y suis chaud. Je suis chaud. Alors, au niveau du premier Pokémon qu'on va mettre, ça sera plutôt Kavinsky, du coup. Parce que Getsuga, ben, il est joli, mais il est long à combattre et tout ça, donc c'est chiant. Pour vous, comme pour moi. Donc on va parler, on va faire la visite aujourd'hui, ça sera pas... Ah voilà, il y a les mafieux. Il paraît que certains Pokémon apparaissent en leur possède des talents rares. Ah bon, ça je savais pas. Donc dans les ordres, on peut avoir des talents rares, ok. Et mon frère, nos chemins se croisent à nouveau. Tu te souviens de moi, Pearson Love, l'homme qui a juré de faire découvrir les auras au monde. Surtout mon frère, ne te gêne pas avec moi. Si tu veux que je te parle à nouveau des auras, tu n'as qu'à demander tout le plaisir pour moi. Oui. Les auras peuvent rendre les Pokémon plus forts et faire gagner plus d'argent. Comme moi je suis un mafieux, je te donne une aura qui utilise ceci. Certains d'entre elles profitent même aux amis qui se trouvent à proximité. Ça c'est le pouvoir miraculeux de l'amitié. Mes trêves de bavardage, voici qui vaut mieux qu'un long discours. Pearson Love vous a donné une aura. L'aura amitié que je donnerai à tous mes amis, abonnés et petit choupi. Donc voilà, je te dis à la prochaine et vive la mafia. Oh oui, alors je sens juste de corriger un truc, voilà, et c'est bon, les auras peuvent être utilisées depuis le PC, ça je sais, ciao amigo, amico mio, la prossima volta, guarda che... Ok, on va se calmer. Donc oui, je suis italien, je parle parfaitement bilinguement, enfin je suis bilingue quoi. Donc j'ai déjà fait les petites templates, lui, bon je peux lui parler si vous voulez, hein. Vous m'avez dit de parler à tout le monde, non, je parle à tout le monde, hein. Les Pokémon que l'on reçoit au cours d'un échange d'adresseurs et étrangers sont un chouïa plus facile à élever. C'est sûr, ils gagnent environ, je crois, 1,5 fois plus d'XP ou il y a une espèce de coefficient devant, je sais pas combien c'est. Toi, j'ai trouvé mon Galvaran près de la route centrale sur la route 13, donc c'est la prochaine route où on va aller, donc c'est cool, je crois. Ici. Petite musique, ta-na-na-na, ta-na-na-na. As-tu entendu parler de Doriz, la célèbre chercheuse du Nice? Non. Ah oui, Oriz, attends. Voilà, c'est celle-là, dans une... Bah oui, je me souviens d'elle, à Eunice. Oriz. C'est une dinde. Les Pokémon endormis sur le synchro jeu font des rêves pendant leur sommeil. Mais je savais pas. Hé, hey, petite fille, comment tu vas? Je suis un pédophile. Les Pokémon qui possèdent des talents insomnia ou esprit vital ne se laissent pas endormir. Oui, oui, oui. Je savais. Mais merci quand même du conseil. Y a pas de souci. Alors, si on monte... c'était... Eh, je crois qu'il avait parlé, Gaius. Le Pokémon Lazard de Kalos... est plongé dans un profond, très profond sommeil. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'histoires sur lui. Il dort trop, ce con. Ça fait penser un peu aux démons qu'on laisse endormis tout le temps, puis qu'on les réveille, ils viennent fous. Vous savez, un peu comme tous les mangas, c'est un peu ça, les mangas, il y a des espèces de démons. On parle d'un démon endormi qu'on veut réveiller, comme dans Naruto par exemple, c'est ça. C'est un démon endormi qu'on veut réveiller, si on veut, plus ou moins. Comme plein d'autres trucs, c'est toujours de la même... le même type d'histoire, et là ça revient sur Pokémon, mais ça on verra bien ce que ça donne, hein, je sais pas du tout l'histoire. Donc là on avait eu un petit speech sur Fatal Foudre et Dance Pluie, donc un bon combo que Kyogre peut avoir en même temps par exemple, que je pense aussi Lanturne peut avoir en même temps. Alors, les avenues, il y a moyen, ok. Toi tu dis quoi? Enfin la maison elle dit quoi? La maison elle dit que tu ne peux pas. Un côté toujours plus savoureux quand on les déguste à deux. Ah ça c'est sûr. Moi je préfère me battre pour garder mon goûter plutôt que de le partager. Ça me fait rappeler quelqu'un mais je dirais pas qui.
Voilà. Non, c'est peut-être le coca qu'elle a goûté. Voilà, elle se reconnaîtra. Combat trio, combat rotatif, dans les deux cas, il faut trois Pokémon. Ok, c'est le style d'Unis. Donc là, il parle beaucoup d'Unis. Donc il veut faire quoi? Alors mets-toi à l'aise, sirote un thé et ouvre les grandes les oreilles. Oh putain! Ma musique préférée de la 5ème génération. Enfin, ma musique la plus... C'est magnifique. Cette musique, c'est pour moi la plus belle. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Je vous jure. Je la surkiffe, cette musique, elle est trop, elle me fait des frissons. C'est abusé. Bon. Eh, je suis très doué pour imiter les cris des Pokémon. Écoute pour voir. De votre équipe. Je connais trop pas les imitations de voix. Pas d'Eden, pas Loclas, pas Manorpal, pas Nymphali, soit Sonistrel, soit Lucario. Damn it, je sais pas lequel c'est. Sonistrel ou Lucario? Je sais même plus autant. On va dire Sonistrel, allez. Oh merde. Oh, c'était Loclas! Oh, le gars, je voyais plus un genre un. Tu veux voir? J'ai envie de voir les sons. Ah ouais. Ah, il ressemble, le gars, il a le classe. Mais il faisait un des autres, je pourrais. Genre, l'épée, c'est facile. Puis les autres, Nymphali et Deden, j'aurais pu confondre aussi. Bon, je suis vraiment nul avec les imitations parce que. Enfin, c'est un truc que je fais pas du tout gaffe et puis que je m'en fous complètement en fait, ça sert à rien de savoir les imitations. Genre ratata ou ratatak ou je sais pas quoi, voilà quoi. Alors attends, on va se casser, je vais voir s'il y a d'autres chemins ou d'autres petits Pokémon, Pokéball. Non, il y a visiblement rien. Donc le nord, on l'avait vu avec Galius vite fait, je pense pas qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Donc on continue l'aventure. Action du sud. Bonjour. Je voulais aller à l'Emis, mais la route est barrée à cause d'une panne d'électricité. Dire que la centrale de Kalos se trouve sur la route 13, tu ne trouves pas ça étrange? Tu savais que certains Pokémon peuvent changer d'apparence au combat Nymonia? Oui, les méga évolutions! Ah, une boue noire. Merci de m'avoir filé la boue. Tu me refiles la boue comme ça? Bâtard. Mais oui, c'est ça. Nous t'attendions! Yon, yon, yon. Ha ha ha! On t'a fait peur! Désolé, c'était pas le but. Malgré les apparences, ce n'est pas un guet-apens. On est en route pour la centrale. On était en route pour la centrale que le professeur Platane nous a demandé d'inspecter. Mais la porte qui relie Illumis à la route 13 était fermée à cause d'une mystérieuse panne. Donc il va falloir enquêter. Après le son des côtes et les côtes de Kalos, à ton avis, que peut-il y avoir? Halte aux questions embarrassantes, Limon, bien sûr! Comment tu l'aurais deviné, c'est le moment d'améliorer ton Pokédex. Level up, niveau 3. Maintenant que le Pokédex démon de Kalos est disponible, n'hésite pas à le sélectionner dans le menu du Pokédex. Tu sais, j'ai l'impression que tu as grandi. C'est vrai. J'ai pris quelques poils sous le menton. Magnifique. Tu sais, j'ai l'impression que tu as grandi. Bah, il est l'heure de nous quitter. Bon voyage. Y'a pas de soucis. On y va. On court. Alors, step d'Illumis. C'est un peu le bourdel. C'est quoi ce truc là? Oh. Alors, pourquoi j'utilise pas beaucoup? Faut juste voir un truc. Pourquoi j'utilise pas beaucoup C'est global. Ouais, je fais plaisir là un petit coup. Alors, je sais pas ce qu'il y a dans les dans la terre là. J'ai peur pour ma tête. Pour mes fesses plutôt. Ah maman! J'ai fait quoi maintenant? Oh, elle m'a eu! C'est quoi? Ah, triple coup
bichet. Non, franchement, ce truc il fait peur. Hein. Je sais pas si. Oh, il a Kuba. Vil bâtard. Mon tricker, je vais le battre parce que. Il en vaut la peine quand même. Bon, il va pas refaire ça quand même. Les Pokémon sauvages sont vraiment cons comparés aux Pokémon des dresseurs. Mais la vérité, c'est logique hein, parce qu'ils attaquent par. Ils pensent que ça pourrait faire mal, etc. Donc ils font piétisol comme des blaireaux. Bon, les amis, on va juste. Non, pas la bicyclette. Quoique. Je vais juste. Voilà. Non! Voilà, je vais les éviter parce que je crois qu'on peut les éviter ces trucs. J'imagine, vu la vitesse qu'on a. Ouh, un crack nommé. Ou un crack noir, comme vous dites. A mon avis, on peut les éviter hein, si on va aussi vite. Parce que là, avec les pieds, j'ai failli plus les. Comment dire. On va essayer de. Vite, vite, vite! Vite! C'est bon. C'est bon. C'est bon. Vite, 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 vite! Il y a quoi ici? Oh! Un Pokémon. Je m'amuse comme un con tout seul. Alors oui, j'aimerais parler d'un truc aussi. Je voulais pas montrer, merde. Il y a donc un de mes abonnés qui s'appelle sur Skype Sengu et qui s'appelle dans le jeu Kaito. Attention. Bon, arrête. Ça c'est la fameuse vue dégueulasse qu'on avait vue dans les autres. C'est la centrale ça, non? Ah merde, on a dans un pass. Oh papa. Merde. Mais c'est quoi ce désert? Y'a rien en plus. Pfff, t'es sérieux là. Donc il y a un de mes abonnés, donc je vous ai dit, qui s'appelle Kaito, qui m'a refilé en fait un Relicant Shiny. Et bien entendu, je l'ai accepté parce qu'en fait c'était son deuxième Shiny de cette espèce. Et puis c'est un Shiny totalement hasard. Hein. Il m'a dit. Moi je le crois, je pars du principe que voilà, c'est bon. Je vois pas pourquoi il devrait me mentir. La Team Flair, quelle bande de m'as-tu vu? En rouge criard, toujours en troupeau, sûrement pour cacher. Que pas un seul vos petits répète. Ok. Bon. Alors. Ah, ils sont là, c'est con. Alors je voulais dire, ouais, alors il m'a refilé un Relicant Shiny. J'ai pas refusé, c'est son deuxième Relicant Shiny. Le premier était justement dû au hasard, il l'a eu comme ça. Et le deuxième, il a justement testé la méthode de la pêche. Il m'a refilé le premier. Voilà, donc pour moi, ça me va mieux, je préfère, parce que la méthode de la pêche, j'ai envie de le faire moi-même. Pour vraiment voir si ça marche vraiment. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je vous montrerai plus tard le Relicant Shiny. Donc il est tout beau, tout hasardeux quoi. Donc là la flair elle veut me battre. Elle va essayer en tout cas de me battre. Bon allez, quand tu veux. What the fuck? Attends. Ténèbres. Ça va. Putain. Il va comme ça toi. Je suis plus rapide que lui. Oh ce qu'il a. Morsure. Oh il vole. Ouh ça fait mal vol. C'est stable quand même. Choupi niveau 38. Getsuga niveau 29. Il apprend tranche Getsuga, c'est bien Getsuga. Je suis fier de toi. Alors qu'est-ce que je peux t'apprendre? Bon, on va dire tranche que ça peut être. 70. Aeropique, on a plus besoin vraiment. Hein. Bon, on va mettre à la place des tranches. Parce que tranche, ça peut faire coup critique souvent. Donc, si en plus je lui augmente son attaque, ça peut faire mal. Voilà, Nosferalto. Je réfléchis pour mettre un Taro un coup. Je voulais mettre en fait mon Getsuga Tencho. Mais parce qu'il est type poison, il peut rien faire contre moi. Mais il est type vol et pour avoir des attaques cheloues, j'aurais peur quand même. Niveau 33, j'ai bien fait de changer, de mettre sur lui. Lui, on va lui faire un petit parabouchard, sachant qu'il m'attaque avant, je pense. Ah, même pas, putain, même Taro, il est trop rapide.
Alors, Amtaro, selon les stats de Poképédia, est quasiment équivalent à Mewtwo. Il a 80 de base stats partout, Mewtwo il en a 100 partout, base stats, donc franchement, il est pas pourri. Hein. C'est un Pokémon qui est vraiment très prometteur. Voilà. Donc on peut voir en fait où c'est qu'il est bon. Qu'en vitesse et en attaque spéciale, grâce notamment à Nanatio. Je crois, c'est même plus maintenant. Mais en gros, il devrait avoir tout partout la même chose. S'il est neutre, on peut voir ça. Par contre, c'est juste signateur qui est pas neutre, on peut pas le voir. On peut le voir vite fait. Voilà, voilà. Donc, et maintenant, je prends la peau d'escampette toujours à classe. Et, hein? Le pass central, où est-il passé? Tout de suite, crotte de cabriolet, j'ai fait tomber le pass central. Réfléchissons, j'ai le style et l'élégance. Vestimentaire, mes raisonnements peuvent être du même tonneau. J'ai dû la laisser tomber lorsque j'ai trébuché devant ce gros caillou là. À 9 pas à l'est de là où je me tiens maintenant. Si seulement j'avais un cherche-objet pour. Alors, ça doit être sous le caillou ici. Pas central! Donc là, je peux passer. Donc je peux pas y aller là tout de suite. Donc on va aller en fait. Bah, où je suis allé avant là. Oh! C'était par où? C'était par là-bas. C'était là-bas. Ok, on peut vraiment pas passer par là. Bâtard. Et si je passe par le sud? Ouf. Ici. Mais t'es sérieux là? Attends, on va contourner le tour. On peut vraiment pas. Hein. Oh. Ouf. Ici y'a quoi? Ici y'a la suite. Non merde. Oh. Oh wait. Attends, je suis passé sur. Je suis trop fou. Pierre Soleil. C'est magnifique. Merde, mon écran s'est éteint comme ça parce qu'il se fait des petites manières là. C'est pas possible mon écran. Ne me fais pas ça. Tac. Alors. Merde, j'ai pas vu le Pokémon. J'aimerais bien passer où il fait où il est passé la Team Flare là, mais je peux pas. Visiblement. Alors, comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Wow, wow! Mais vas-y, mais je viens de... Sois shiny au moins! Il est quoi? Il est gris, je crois. Bleu, j'ai plus. On craque Norex. Après, ben, en évoluant, il devient plus beau. Ah. Et j'ai fait tous les chemins, t'es pas sérieux là. Bon, on va parler, parce que je veux pas passer par où est passée la Team Flare. Il y a deux portes à l'est, deux portes à l'ouest. Bon, on va aller directement parler au monsieur là en bas. J'espère qu'il va me laisser passer. Hein. Parce que s'il me laisse passer, je fais quoi? Je vais pas me toucher la... Voilà quoi. Lui, parce que lui, il laisse vraiment pas passer, hein. On est d'accord. Donc lui, il veut pas me laisser passer. Lui, il me dit quoi d'autre? Toujours la même chose. Oh. Vite. Ici. Et lui, il me dit quoi? Le courant doit être coupé parce que la porte pour Illumis ne s'ouvre pas. C'est bizarre, la centrale a l'air de bien fonctionner pourtant. Anyone there? Chiant. Comment faire? J'ai fait toutes les portes pourtant, hein, que se passe.
Black Flame. Est-ce qu'on peut continuer à marcher? Non, pas. Alors. Ah d'accord, ça marche pas. Oh. Il y a trois portes même ici. Trois portes et aucun. Non. Il s'est les boules. J'ai tout à vu là. J'ai tout à face. Ah, c'est trop je sens. Je vais sortir. Ah, il y a peut-être comme ça. Mais c'est pas possible. Faut passer à côté. Faut passer à côté. Et comment dire que je sache? Dis donc, quelqu'un qui est devant moi, je peux pas passer à côté, putain. Mais sérieux. Bon, du coup, l'épisode sera un poil plus long parce que je suis paumé pendant au moins 10 minutes. Ouais, je vais rajouter 10 minutes. Parce que je suis vraiment paumé comme une merde pendant 10 minutes. Hein. Je peux pas. T'es qui? Wesh, t'es qui? Qui êtes-vous? Qui va là? Non, ça va, qui es-tu? Donc, ouais, on continue le. L'envahissement. Je sais même pas comment on dit. Quand on va envahir quelqu'un. Ah, il va prendre cher en plus. Et s'il résiste par contre. Nope. Quel résister? Quel? Ça n'existe pas dans mes mots ça. 44 les gens. C'est bon ça. Cradopo. Que les Pokémon combat, c'est bon. La musique, c'est trop bien. Ouba, vas-y bâtard. Je sais pas ce que j'ai comme objet, je sais pas si c'est sur lui que j'ai mis. J'ai du fric en fait. Ouais ouais, je gagne beaucoup donc ça va être le double. Enfin, je crois que je gagne beaucoup. On peut savoir ce que tu fiches ici? La team flair est très occupée, t'imagines bien que nous sommes débordés à l'heure du vent. Tu crois que je vais t'écouter mon petit gonome. Alors, on va commencer par la petite porte ici devant les amis. Oh bonjour monsieur et madame. Toi nous aider, mais enfin c'est une affaire de grande personne. Mais je suis pas un gamin et la team flair détourne l'électricité. Je n'arrive pas à croire que nos panneaux solaires en orbite la plus débordée. Ah oui, trop beau. Toi tu veux quoi? Une petite eau fraîche ça te dirait? Normalement ça vaut 200, mais si tu veux, je te la fais 300, alors qu'est-ce que t'en dis? Non. Quel bâtard. Je sais que c'est la crise en vrai, mais bon. Que bon peut-il oser faire main basse sur l'électricité que nos meilleurs techniciens et nos Pokémon se donnent tant de mal à produire? Plaque Volt. Nickel. Celle-là aussi, je pourrais la filer à Deden, mais bon, pour l'instant, les plaques, on les garde, si jamais, pour les badges. J'ai essayé de me cacher ici, mais je suis resté coincé. Elle est trop con. On se demande ce qui est coincé où, hein, parce que voilà. Moi je dis pauvre bonhomme. Alors, on continue. Bonjour. D'accord, tu vois des Pokémon, mais de là à nous attaquer tout seul, tu te ficherais pas un peu de nous? La Team Flare par hasard? Ouais, j'avoue, j'invente des mots, des bouts de phrases et tout ça. Ah, c'est une meuf. Okay. Je les confonds un peu, les meufs et les gars. Je dois vous avouer. J'aimerais bien avoir l'évolution, mon petit gars. Un petit Coatox bien fat. J'aimerais bien. Alors, moi je vais juste me soigner vite fait. Voilà, si tu me permets.
Vendetta. Bah normalement, je t'ai pas touché donc ça devrait pas faire trop mal. Merde, il m'a fait. Ah il a bien, il m'a bien eu là. C'est bien cette attaque atterrissage pour lui parce que. Bah sinon il a un peu de mal hein. Il prend trop cher sinon. Une folie. Casse-couille. Allez vas-y soigne-toi. C'est bien. Comme ça je peux me changer de Pokémon. Easy easy. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va dire qu'il va faire une attaque de type vol. Donc. Amtaro, tu es mon choix. J'ai dit avec Lucario parce que s'il faisait une attaque poison, bah ça aurait rien fait du tout et puis après j'aurais pu faire les magas évolutions d'un mort qui tue cheat of Glorbo Boost. Mais il a fait une attaque vol, retourne que j'ai mis lui. Pour ils font cher. Acrobatie. Parapocharge. Tu kiffes ça, avoue. Avoue que tu kiffes ça. Bim, je suis comme il faut. Cette petite bête est trop forte. Regardez, elle est trop chou. En fait, elle, on dirait qu'elle est. Qu'elle est toute mimi et tout, puis elle fait trop mal par derrière, et c'est trop bien. Parfait. Au niveau des niveaux, ça va, franchement. C'est pas over abusé quoi, les niveaux 33. J'imagine en plus, c'est que les sbires, le chef de ça, je sais pas s'il y a un chef, mais s'il y a un chef, bah, il doit être encore plus balèze. J'imagine bien. Oula! Il se passe quoi encore? Et l'intro, c'est moi qui entends maintenant! Il sort de nulle part comme ça, tu sais, il fait waouh waouh waouh! Voilà! Ici, d'ici! Grayena! Avec un accent grave! Depuis quand Grayena a un accent grave, les gens? Depuis quand? C'est comme Rasgali, il faut des accents aigus maintenant aussi! Ouais, ouais, ouais! Bon ben, vol histoire de voir ce que tu vaux! Il avait pas d'intimidation, je sais pas ce qu'il y avait. On tardise. En spécial, histoire de voir ce que ça donne. Ouais, j'en vois un petit peu plus en spécial, quoi. Alors, sachant que je vais attaquer en spécial, ça devrait aller, non? J'ai foi en toi, Kabinski. J'ai foi. Oh, vraiment. Qui c'est qui va sortir? Mais quelle drôle de coïncidence! Méga évolution! Point boost! Et Luca évolue en. Ah, mais franchement, je kiffe ces méga évolutions, mais. Mais il est trop méga puissant! Amen! Pouf! Moi, j'ai fait ça juste pour le lol. Hein. Il m'a furlement, ma foi, tant pis pour lui, hein! Pensez faire le malin et voilà. Niveau 39 pour Choupi, oh là là, il monte de niveau. Niveau 35, niveau 37. Donc je pense qu'on aura des nouveaux Pokémon d'ici l'épisode. Enfin, la prochaine fois qu'on arrive dans un centre Pokémon, on aura, je pense, quelques petits nouveaux. Genre Steelix, il pourrait faire son retour, ou peut-être Malos ou Dynavolt, on verra bien. Donc c'est bon, je peux me casser, c'est ça. Alors. Alors écoutez, on va s'arrêter après ce combat. J'ai bien envie de vous l'avouer. Bon, il me reste 3 minutes, allez, on continue. Histoire de voir ce qu'il a encore. J'ai vraiment j'ai envie de voir ce qu'il y a à la fin, mais je vais laisser un peu de suspense aussi. C'est pour ça que je vais couper un petit peu l'épisode à un moment bien précis. Je sais pas du tout où je suis, si c'est la fin, le début, la moitié. Et sachant que c'est le premier petit gouffre, premier petit. Ouais, petite grotte, on va dire. Putain, mais écran de merde. Voilà, c'est bon. On va dire petite grotte. Merde. Alors, Nosfer Alto, je sais pas pourquoi je l'ai laissé, mais c'est pas grave. Oh, les casques du Pokémon. J'ai foi en toi, Kabinski. Kabinski. Kabinski, tu pètes tes couilles. Franchement. Amtaro. Non, parce qu'il va faire un attaque ball, c'est sûr.
Il va forcément pas faire une attaque poison parce que le poison c'est pas forcément très efficace. Enfin. Ça fait quoi contre le combat le poison? Ah bah météore. C'est tellement mignon que ça me fait marrer. Alors parabocharge quand même. Mais j'aurais peut-être pu faire l'autre comme ça peut-être je le tuais. Non je le tue pas. Voilà ce que c'est fait. On va mettre Getsuga, fais ton entrée en scène s'il te plaît et montre-lui qui c'est le meilleur. Tranchère. Ah caramba, ça lui te fait mal. Ah non. Donc il a l'évoluteur, hein, je vous le rappelle, c'est pour ça qu'il prend pas trop cher. Tranche. Vas-y, mais tu fais chier avec tes ondes folie, c'est des attaques de tapette ça. Allez Getsuga, défends-toi. Getsuga, Getsuga Tencho. Oh merde, je l'ai pas tué. Getsuga, s'il te plaît. Je peux pas trop t'en demander quand même. Ah, il est sorti de sa confusion, non? Il a fait quoi là? Il fait de la merde. Getsuga, c'est nous. Ah non, toujours de sa confusion. Eh oui, merci. Un magnifique Bankai. De la morte. Ouais, j'ai mis lui pour le lol. Du coup, voyant les. Oh, il vient pas mal. Hein. Niveau 45 pour Kavinsky, qui a beaucoup, beaucoup d'XP. Donc, vous voyez, en fait, quand vous changez de Pokémon, en fait, c'est même pas divisé. C'est toujours le même chiffre, juste en plus, en fait. C'est ça qui est abusé dans les XP. Avant, on divisait quand on changeait. C'est divisé par deux. Maintenant, ça reste en plus. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce qui est très logique. Allez, je suis encore un dernier combat. Après, je m'arrête. Elles sont cool mes lunettes, hein, elles ont l'air la classe, et puis, bien, tu peux te brosser pour les avoir. Ah, elles sont tellement comiques, tellement comiques, tellement comiques, ces gars. Encore le sur. Attends. Alors, je sais pas s'il me tue avec un tranchère, mais je pense pas. De toute façon, je vais m'atterrisser. Pour être sûr. De toute façon, c'est un vil bâtard, ce truc. Moi, ce qu'on va faire, on va mettre Amtaro. Il va m'attaquer, je vais faire rebondir. Non, pas rebondir, je change d'éclair. Et là, je refous l'autre, et comme ça, je peux le tuer. C'est mieux, je crois, faire ça. Coup critique, il m'a fait donc. Oh là, c'était tellement. Oui. Voilà. J'échange sur. Bah, sur Getsuga, tiens. On fait le trio de la folie là. Getsuga Tencho. Maintenant. Oh, en plus j'ai trop bien géré les sur ce coup. Ombre portée attaque à priorité. Donc, normalement, je te tue. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Getsuga encore frappé. Getsuga monte au niveau 31. Getsuga gagne encore plus de. En attaque, il y a un attaque spé défense. 38 pour Amtaro. What the fuck? Krayena. Non. Krayena pour Kavinsky. Je sens que dans le prochain épisode, on risque d'avoir une évolution. Ou peut-être juste pas, et après, au troisième épisode, on l'aura. Enfin. Voilà, vous me comprenez. Non, franchement, c'est des Pokémon bien. Je préfère ça que des Nosferapti ou des Mediena ou des trucs de merde. Non, ils sont évolués, ces trucs, c'est cool. Alors. Vol. Ça a dû faire beaucoup de dégâts. Assurance. Si je. Bam! En tardis. Comme avant. J'ai vu l'attaque. Trop cher, je suis plus rapide. Je l'ai pris pour le coup critique. Je sais pas faire, j'ai tué. 1512. Lucas numéro 38. Donc voilà. Alors là, vous me dites, ouais, mais le 45 est trop cheat. Il est pas si cheat que ça. Je vous ai déjà montré les stats qu'il a. Il vaut même pas un Lucas niveau 30, 32, quoi. 33. Il a vraiment les. Il est vraiment exécrable comme Pokémon. Hein. C'est après en évoluant qu'il devient, je pense, énorme. Mais là, pour l'instant, il a des stats vraiment très 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 basiques et très mauvais. Regardez, je peux vous montrer en fait. Il est au niveau 45. Un Pokémon de ce niveau, un autre, Brasgali par exemple, niveau 45, mais il a déjà 100 attaques. 101 attaques spéciales, un truc comme ça. Lui, il a que 61 attaques spéciales, c'est sa meilleure. Non, il y a aussi la vitesse qui est pas mal bonne. Vous regardez les autres, Nymphalie, alors qu'il est pourri en vitesse, lui de base.
Il a 57, il a peine, un peu de moins. Genre, je sais pas, prenez le class. Il a genre 73, 74 d'attaque et d'attaque spéciale. Mon truc, il a. Il est où? Il a 61 quoi. Alors qu'il a 9 niveaux de plus, au moins 11 niveaux de plus. C'est assez chiant, mais bon, je me dis que c'est pour le Pokémon, donc c'est cool. Donc moi, quoi? Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah moi, je vous dis juste à tout à l'heure. On va continuer cette avancée dans cette planque de la Team Flare. Je sais pas comment elle est longue, là j'ai fait un petit bout, voilà, histoire de rattraper aussi le temps perdu. C'est déjà 40 minutes quand même. Peut-être que je vais accélérer des certains moments, donc ça aura peut-être un peu moins. Mais bon, j'espère que ça vous a plu. Donc moi je vous dis à la prochaine, c'était Pyrrhus. Ciao, bye bye.